Yosh, salut mes petits mouglis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, pour votre petite live action tant attendue de l'épisode 7 de la saison 2 de Vinland Saga, encore une fois un épisode très 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 attendu. On va rentrer directement dans le vif du sujet, c'est parti, let's do this. Alors, luminosité à fond. Alors, des empreintes de pas, ils sont deux. C'est encore les deux que nous recherchons? Les empreintes se ressemblent. Bon sang, pourquoi ça arrive au moment où le maître n'est pas là? Précis serpent. Qu'ont-ils pris? Un sac de farine de blé et de la viande séchée. Mauvaise nouvelle, chef. Leurs empreintes sont mélangées avec d'autres, donc on ne peut pas les suivre. Laisse tomber. Ils ne prennent pas grand-chose. Mais ça devient une mauvaise habitude. Ils pensent qu'on ne le remarque pas ou quoi? Bah, surtout vous êtes payé à ça, tu vois, à défendre la ferme. Défendre la propriété. Je pense qu'on va être obligé de leur donner une petite leçon. Et au Peninque, c'était sûr. Ah, ça fait mal au cœur de le skipper encore une fois. Laissez-le au début, comme ça bon, on peut le mater avant que je déclenche la live action. Alors, au petit matin, on retrouve Arnaïd au puits. C'est merveilleux, le vieux maître doit vraiment vous apprécier. Elle doit être en train de, voilà, de retrouver Einar. Tu penses? Bien sûr. Il vous prête des chevaux et de l'équipement. Et vous laisse même manger avec lui. Oui, mais c'est juste notre récompense pour avoir fait ses corvées. Tu sais, on est des esclaves. Normalement, on ne reçoit même pas de récompense. Juste le gîte et le couvert. Je vois. Surtout que lui, voilà, c'est un nouveau statut pour lui. Hein. Pour Einar, faut bien le rappeler. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. Ah, tu vois. Mais pourquoi m'apprécierait-il? Ça l'a fait rigoler. Désolé. Tel qui s'excuse. C'est parce que tu es un type bien, mais tu n'en es pas conscient, on dirait. Elle a pas tort. Et forcément. Ça le fait rougir. Quoi? Mais non, enfin, allez, arrête, arrête. Einar, à plus tard. Je ne suis pas. Donc, Thorfinn, voilà, qui le laisse. Alors, ah, et du coup, il vient de capter qu'il s'est barré. Est-ce qu'il essaie d'être gentil? Mais il t'arrange le coup, là, espèce d'abruti, punaise. Lui aussi, c'est un type bien, même s'il n'est pas bavard. Ouais. Arnaïd? Oh non, c'est la maîtresse. Navré de t'avoir retardé, mais non, ce n'est pas grave. Maintenant que j'ai quelqu'un à qui parler, je me réjouis de venir te travailler tous les matins. À plus tard. Oui, à demain matin. C'est chaud quand même de devoir le croiser que le matin. Et du coup, forcément, voilà. Elle a dit que j'étais un type bien. Je suis un type bien. Par contre, la transition, là. Arnaïd, elle vient de se manger une tarte. Tu t'amuses dehors alors que le petit déjeuner n'est pas encore prêt. J'aimerais être à ta place. Je suis désolé, madame. Bah là, on est clairement dans Cendrillon. On ne t'a pas acheté pour que tu t'amuses. Tu dois travailler dur pour gagner ton pain. Oui, madame. Mon mari va revenir de sa réunion en ville aujourd'hui. Il se peut qu'il revienne avec des invités. Alors fais en sorte que tout soit prêt. Enfin, j'imagine que cet esclave est un bon parti pour un esclave comme toi. Gamberge. Alors eux, ils ont germé. Regarde ces germes de blé, Thorfinn. Bien entendu, Einar n'a pas vu la scène, hein. Donc ils ont l'air plutôt fragiles, autour donc sur Einar et Thorfinn. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Ce n'est pas croyable, c'est donc avec ça qu'on fait du pain. Tu n'en crois pas tes yeux, hein. C'est vrai. Je crois qu'on avance bien. Ouais, c'est incroyable. On va les faire pousser, puis les vendre aussi longtemps qu'il le faudra. Jusqu'à ce qu'on puisse racheter notre liberté. Quel que soit le nombre d'années que cela prendra. Allez, je suis gonflé à bloc. C'est notre premier pas vers la liberté. Nous allons défricher cette forêt et en planter deux fois plus l'année suivante. Au final, sourire, dit. On pourra retrouver notre liberté sans continuer de cultivation. Du coup, se demande Einar. Mais je me demande ce qui va arriver à Arnaïd.
Je ne sais pas, pourquoi ne lui demandes-tu pas? Mais est-ce que je peux lui demander ça? C'est la grande question. Plus important, qu'est-ce qu'on fait avec ça aujourd'hui? Hein? Oh, le blé, il n'a rien à faire pour le moment. Excusez-moi, encore une coupure intempestive, le service va être redoublé, donc voilà, faut que je me dépêche, pardon. Du coup, donc, retour sur Einar et sur Thorfinn. Alors, mais d'abord, prions. Un prier. C'est Einar, alors. Dieu tout-puissant! Oula, c'est un peu bluffant au sol. Faites qu'ils grandissent et se reproduisent. Gardez les insectes à part. Apportez-nous la pluie. Pour que ça pousse. Et tire Thorfinn. Allez, ensemble. Hein? Je connais pas Thorfinn. Priez? Mais quel dieu? Eh ouais! Entre les dieux nordiques et n'importe, que ce soit Yahvé ou Freya. Nous avons besoin de toute l'aide possible. Je m'excuse encore une fois d'avance, mais cette vidéo va être très longue et très galère à tourner. C'est totalement indépendant de ma volonté. Excusez-moi, on y retourne. Donc on ne décide pas l'issue d'une récolte, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais nous n'avons pas d'offrande à faire, alors mettons-y tout notre cœur. On précise à Einar, faites que le blé grandisse. Allez, joins tes mains et fais comme moi. Prions très très fort. Faites que le blé grandisse. Je ne t'entends pas. Désolé. Faites que le blé grandisse. Ne sois pas gêné. C'est encore plus gênant quand on hésite. Oui, prêt. Alors, chassez les insectes et les moisissures. Faites tomber la pluie. J'aime bien, il y a un petit cerf qui les regarde derrière. Oh, des lucioles. Et du coup... Retour sur des cavaliers. Il n'y a pas n'importe quel cavalier. Cette ferme n'a pas changé du tout. Bah, normalement, voilà, son visage, vous voyez qui est-il lié. Bah, voilà, maman et Olmar vont bien, papa. Tu vois, il est juste derrière, qui est-il? Oui, Olmar se débrouille si bien que je suis tout le temps débordé. On comprend un peu mieux pourquoi il voulait devenir comme lui, du coup. Tout ce qu'il veut, c'est rejoindre le champ de bataille avec toi. Voilà. Avec son grand frère. Il n'a pas changé depuis tout ce temps. Dommage qu'il soit une poule mouillée. Tout le monde a ses forces et ses faiblesses, Thorgil. Il n'est pas fait pour le combat. Contrairement à lui. Les gens devraient toujours rester à leur place. C'est ça, c'est pas faux, ça. Enfin, on ne sait jamais. Parfois, le champ de bataille peut changer un homme, comme le roi Knut, oui. Mais bon, Knut, c'est... Voilà, c'est que tu as le roi, plus personne ne l'appelle prince. Il a beaucoup changé depuis cette guerre. Et d'ailleurs, on a eu un petit aperçu il y a quelques épisodes. Il dirige à présent l'armée avec une confiance absolue. Pourquoi ne pas envoyer Olmar sur le champ de bataille? Ne raconte pas n'importe quoi, lui va envoyer son petit frère au casse-pipe ou quoi. Il ne peut pas se battre à son niveau. Presque pas comme si t'avais pas les personnes sur le terrain pour pouvoir l'entraîner. Hein. Oh, c'est le maître. Mais tu vois, en parlant de... En temps, il y a le serpent. Ah, un timing parfait. Ce ne serait pas... Oh, c'est bien Thorgil. Quand es-tu rentré? Il y a 5 ou 6 jours. Allez, un petit check. J'ai pu rencontrer mon père à la réunion en ville. Alors j'ai décidé de passer. Tu es plutôt tenace, hein. Comment es-tu encore en vie? C'est parce que tu m'as entraîné, serpent. Ah bah voilà, suffisait de dire ça. J'avais oublié ce détail. Serpent, à quoi joues-tu? Ah oui, c'est vrai. Eh. Allez, dépêche-toi. Ah, ce sont des voleurs. J'allais vous les remettre. Sont eux les petits pillards, des voleurs? Il y a eu de multiples cas de vol qui utilisaient les mêmes techniques. Des enfants. Mon instinct me dit qu'ils sont responsables de tous ces vols. Ouais, bah, va encore le prouver. Hein. Que ce soit des enfants ou non, un vol reste un vol. C'est à vous de les punir, maître. Lui dit serpent, bah après, lui serpent, il fait son taf. Hein. Mais ouais, c'est chaud. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Qui est-il? Time skip. Je vous invite encore une fois plus que jamais à réagir dans les commentaires et à me donner vos avis, en tout cas déjà sur ce début d'épisode. Ah, ils ont été attachés. Grand frère, j'ai mal aux mains. Que va-t-il nous arriver? Il essaie de se détacher tant bien que mal. Alors, est-ce qu'on va mourir? Mais bon, comment ils sont bâillonnés, hein, t'inquiète pas. Ça ira. Je resterai avec toi. Pendant qu'à côté, alors voilà, en fin de compte, pendant qu'à côté, il tape un putain de gueuleton. On dit qu'on est une armée.
Mais personne ne se soucie de savoir si vous êtes un allié ou pas, dit Thorgil. Une fois la bataille commencée, chaque tribu attaque la cible avec ses propres motivations. Chacun veut prouver qu'il est le plus courageux de la mer du Nord. Et là, en plus, c'est une petite réunion de famille. Hein. Après la bataille, on fait souvent un concours de pillage. Oh là là. Il est courant de voir les gens se battre pour les femmes qu'ils pourront vendre. Olmar, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Tu ne veux pas aller en Angleterre? Eh ben quoi, ça ne t'intéresse pas? Mais si, bien sûr, j'irai au combat. J'aime bien avec le père en arrière-plan. Je suis prêt à prouver mes capacités. Je te retrouve enfin, mon frère. Je devrais te donner un souvenir dans ce cas. Hé, hey, apporte le collier. Ouais. Qu'est-ce qu'il a ramené? Wesh. Qu'est-ce que... De la viande séchée? Je peux en manger? Si tu veux, mais ce n'est pas si bon que ça. Les oreilles. Hein? C'est des oreilles d'anglais. Il a fait un collier d'oreilles. Des oreilles. Des barres. Bon, après, c'est spécial quand même. On va dire, remis dans le contexte de l'époque, ça passe. Mais quel chiffre molle. Comment vas-tu pouvoir t'en sortir? Nous sommes les fils de Kéthil au point de fer. Point de fer? Tu n'en savais rien, notre père était une légende dans sa jeunesse. À peine le combat commençait, son arme était déjà fracassée. Tellement il se démenait sur le champ de bataille, tellement sa puissance était brutale. À partir de là, il n'utilisait plus que ses poings ravageurs. Et malgré ça, il massacrait des hordes d'ennemis. Notre père était comme ça. Quand tu parles aux anciens guerriers, ils mentionnent souvent point de fer. Quand il y a eu côte de fer, il y avait point de fer. Montre-lui plus de respect. Tu dois être fatigué par ton voyage, Thorgil. Va te reposer à l'intérieur. Je ne suis pas si faible, Thorgil. Alors. Mais l'autre, là, il continue de finir sa petite côtelette. Alors, très bien, qu'y a-t-il au point de fer? De l'appeler père. Maître, alors quoi? Excuse-moi, mais pourrais-tu, ces serpents qui l'interpellaient, t'occuper de ça avant d'aller te reposer? Par rapport, voilà, au petit voleur. Alors. Il va leur faire audience. D'abord, commencez par me dire vos noms. Allez, vos noms. Arrête, ils ne peuvent pas parler parce qu'ils sont terrifiés. Désolé. J'insistais tellement là-dessus. Maintenant, dites-moi vos noms. Demande plus gentiment Kéthil. Stur. Ma sœur s'appelle Thora. Je vois. Stur et Thora. Hein? Y a-t-il qui que ce soit qui puisse prendre votre défense? Ils ont aussi le maire qui a un bébé. Leur mère est malade et alitée, alors on ne l'a pas ramenée. Nous ne savons pas où trouver leur père. Où se trouve leur père, pardon. Comment s'appelle votre père? Est-ce qu'il va bien? Tous les coups, il doit être mort. Réponds. Notre père s'appelait Snorri. Il est sorti pour vendre des légumes l'automne dernier. Et n'est toujours pas revenu. Votre grand-père ne s'appellerait-il pas Beau par hasard? Demande un des gardes. Oui. C'est Snorri, le fils de Beau. Il a des dettes et vous doit une rente foncière, maître. Oh là là. Ah oui, Snorri? Je me demandais pourquoi on ne l'avait pas vu récemment. Il est sûrement mort. Ça doit faire déjà un an, il ne reviendra pas. Des bandits l'ont probablement... Non mais voilà, en plus de ça devant leur gosse. Non, il est parti, mais il reviendra bientôt. Thorgil, il est dur, mais... C'est la réalité. Alors les enfants qui perdent leur père sont en général accueillis par d'autres familles pour travailler. C'est sûrement ce qui les attend d'ailleurs. Ces enfants ont peut-être une chance. Mais leur mère est malade et doit s'occuper d'un bébé. Punaise, il est touché, hein, tu vois, Thorgil. Mais personne ne voudra... pas Thorgil, qui est-il? Eh ben alors, que t'arrive-t-il? Sa femme. Rien, juste un truc qui m'est rentré dans l'œil.
Quoi qu'il en soit, qu'ont-ils volé? Ils ont commis beaucoup de délits, mais pour l'instant, ils ont avoué avoir volé seulement un sac de farine de blé. Mon subordonné et moi en sommes témoins. Tu n'as pas intérêt à les avoir menacés pour les faire parler. Ouf. Mais non, ce n'est pas mon genre. C'est vrai que je les ai piégés, mais bon. Je vous donne juste le temps qu'il faut à ce sac pour se vider. Si vous avouez, je serai peut-être clément. Ces enfoirés, putain. Le nom de notre maître est inscrit sur le fond de ces sacs. C'est pareil que des menaces! Ah, mais non, enfin! S'il avait été innocent, il n'aurait eu aucune raison d'avouer. Alors c'est réglé, ça lui coûtera un bras. Non mais Torquil. Ma petite sœur est encore petite, ayez pitié d'elle. Dans ce cas, tu recevras également la punition de ta sœur. Nous te couperons les deux bras, lui dit Torquil. Non, mon frère! Bon, dit Serpent, je ne veux pas revenir sur ma parole, ne sois pas trop dur avec eux, d'accord? Ça, Torguil, hein, bien, je pense que le verdict est tombé, père. Mais lui, voilà, il veut pas. Il est ignoble, je ne peux pas croire que ce soit mon propre fils. Ah bah, la guerre, ça te change un homme. Hein. Et puis bon, lui aussi, lui, c'est plus adouci, on va dire, inquiète-t-il. Alors pourquoi a-t-il fallu que tu voles mon exploitation? Je n'ai pas d'autre choix que de vous punir tous les deux. Objection, cela revient à le condamner à mort. Dit justement un de ses sbires, alors un châtiment trop sévère pour un vol. Pater. Puis-je avoir la permission de donner mon avis, maître? Oui. Va peut-être demander pire. Continue, Pater. En tant que responsable des finances de cette exploitation, je ne peux accepter que l'on impose une punition si sévère à ce jeune garçon. Si vous lui coupez les deux bras, il ne pourra plus nous servir. C'est pas faux. Stuart, quel âge as-tu? J'ai 12 ans. Bien, c'est l'âge où les enfants peuvent commencer à travailler comme des adultes. À l'époque, hein. Le montant qu'il a volé et la dette de son père doivent être collectés. Qu'il travaille pour payer ce qu'ils nous doivent. Bah ouais, tout simplement. Je suggère que nous les embauchions, eux et leur mère, pour travailler comme ouvriers agricoles dans cette exploitation. Ils pourront travailler comme valets de ferme et cultiver le champ que vous leur avez déjà loué. Je me chargerai de former Sture comme il se doit. Ça, c'est de la sagesse. S'il devient un travailleur compétent, il sera en mesure de payer ce qu'il nous doit. Et alors, il n'aura plus besoin de voler. Cela résoudra le problème à la racine. Totalement. Absolument, leur faire payer une compensation. Très bonne idée. Bah oui, tu m'étonnes que... qu'est-il soit contre. Alors, dans ce cas... je pense que la flagellation sera une punition amplement suffisante. Il veut quand même les punir à lui, tu vois. Hein? Après tout, c'est plus logique. Dit Torguil. Mais... pas la peine, ils travailleront pour rembourser ce qu'ils ont volé. Leur punition consistera simplement à payer cette dette. Nous ne pouvons pas les laisser partir. Sans châtiment corporel, maître, lui dit Serpent. Il faut fixer les limites où on ne sera jamais pris au sérieux. J'aime bien, il a désaxé sa hache pour les taper avec. En tout cas, avec le manche. De plus, personne n'aime les racailles qui ont cette sale habitude de voler. Vous leur rendrez service en leur donnant une bonne leçon. Donc, ça fera combien de coups de bâton? Cinq. 10 coups. 10 coups chacun. On va commencer par toi, mon garçon. Serre les dents. Pas mon frère. Reste en arrière. 20 coups. Bah oui, il va prendre les coups de sa sœur. Frappez-moi 20 fois, je vous en supplie. Ayez pitié de ma petite sœur. Intéressant, il a du cran, ce gamin. Papa, laisse-moi m'en occuper, putain. En plus, c'est Torguil qui va
Toi, mais tu sais pas retenir tes coups. Allez, on prime. Ne le tue pas, ok? Ok. Vas-y, mollo. C'est ça. Ne le frappe pas à la tête, ok. Je veux juste le caresser un peu. Allez, mon garçon, il est temps. Non, mais les termes qu'il emploie. T'as l'OST. Oh là là, déjà un coup. Oh, un coup, il lui a déjà pété une côte, là. Peut-être même plusieurs. C'est sûr. Arrête! Arrête, Torgil, je vais le faire. Du coup, c'est qui a-t-il qui va prendre le relais? Parce que là, c'est même pas un coup, là, c'est il te l'a éventré, là. Et qui a-t-il? Ça la répugne. Hein. On le sent, mais. Il n'a pas le choix. Alors, Ellipso. Il fait nuit. Et retour justement alors sur Torgil et sur Olmar. Où est papa? On dirait qu'il est allé se coucher. Eh ben dis donc. Qui est-il au point de fer n'est plus ce qu'il était. Il tape pas des gosses quoi. C'est un mensonge toute l'histoire de point de fer. Les Nordiques ne peuvent pas survivre s'ils jouent aux mauviettes. Tout le monde s'attend à ce que je sois courageux comme si c'était une évidence. Personne ne croirait jamais qu'une figure dominante comme moi sorte un tel mensonge. Hein? Je suis terrifié. Oh là là, le pauvre. Par mon propre fils, Torgil. Je suis terrifié. Par la guerre et la violence. Regardez à qui il fait ses confessions. Il ne devrait pas y avoir de mal à être gentil. Je comprends ta douleur. Tu es bien la seule à me dire ça. Tu es la seule avec qui je peux être complètement honnête et briser et tomber l'armure en fait. Reste à mes côtés. Sans toi, ce monde n'est que ténèbres. Eh oui, Arneid, c'est ça. C'est sa femme de chambre avec des gros guillemets. Ah là 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 là. Mais bon, en même temps, on pouvait s'en douter depuis un petit moment. Hein. Bah, depuis la toute première apparition d'Arneid, hein, on va pas se mentir. Mais ce n'est que le début des problèmes, hein, si on peut définir ça comme ça. Même si là, pour une fois, ça n'a pas concerné Einar et Thorfinn qui sont restés un petit peu en retrait, mais ça permet d'en apprendre un petit peu plus sur l'écosystème de la ferme. Alors, on a un petit focus sur la preview. On va revenir justement sur nos deux larrons. Et le prochain épisode s'intitulera Un homme vide. Bon, écoutez, on verra tout ça la prochaine fois. Mais en tout cas, on a encore eu un épisode fort sympathique pour notre plus grand plaisir. Enfin, fort sympathique, dur psychologiquement, mais extrêmement intéressant pour un peu mieux comprendre le personnage de Kietil, l'introduction du personnage de Torgil, et de se rendre compte bah, que Serpent est en réalité une immense merde, même si bien sûr, alors, encore une fois, il exerce parfaitement bien sa fonction de gardien, d'homme à tout faire, et puis de... ouais, comment on pourrait le définir autrement Et voilà, c'est celui qui est chargé de la sale besogne. Voilà, n'ayons pas peur des termes. C'est pour ça que pour lui, c'est normal. C'est devenu normal. Reprenons du coup aux petits commentaires, sans transition, c'est hyper. Et juste, voilà, je voulais faire un dernier petit point par rapport à Kietil. Il ne faut pas être surpris qu'il fricote un peu avec Arneid, dans le sens où tu regardes Arneid, tu regardes sa femme. Repense à la scène du début de l'épisode. C'est pour ça qu'elle lui a mis une tarte aussi, parce qu'elle sait qu'elle a, hein, tiens, alors elle en profite. Hein. Mais bon. Je n'en dis pas plus, c'est voilà, c'est que le début de quelque chose, cette histoire-là et cette révélation. Reprenons du coup aux petits commentaires sans transition, c'est hyper. Alors ce vieux crouton a vraiment un bon fond XD. Ah ouais, non mais vraiment, pour le coup, le Sverkel, le grand père, le père justement de qui est-il. Alors normal, il est bon comme le pain sec, voilà, je m'étais permis ce petit jeu de mots. Bien trouvé, il est gentil au niveau de Samy quant à sa texture d'une dureté omniportante. Ah là là, c'est ça. C'est totalement ça. Tu me dis alors, Thorfinn a une bonne moralité. Ah bah oui, pour le coup, voilà, lui,
C'est la force, pas forcément la force de l'âge, mais la force de l'expérience et tout ce qui c'est le vécu qui a fait ça. La preview qui fait bien plaisir, mais toujours, 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 toi-même, tu sais. Geoffrey Claudie, bonne live reaction merci à toi. Je crois que le passage avec le papy Sverkel et le père de qui est-il sont des rajouts de l'animé. En tout cas, la bromance entre. Ah ouais? Pourtant, il me semble qu'il y avait eu quelques petites interactions entre les deux. Peut-être cette scène-là spécifiquement, t'as peut-être raison, mais ouais, je sais pas. Faudrait vérifier. En tout cas, la bromance entre Einar et Thorfinn est formalisée maintenant, c'est beau. Ouais, ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est voilà, c'est le début d'une très belle amitié. Akechasan qui nous dit tout était l'histoire d'avoir un cheval. Maintenant, c'est chose faite, le boulot reprend. À fond et avec le sourire, comme diraient les sept nains. Cool épisode, j'aime beaucoup la relation entre le serpent et le vieux, ils sont marrants avec leurs disputes à chaque fois, ouais, même si là, à mon avis, le serpent a dû pas mal chuter au niveau de l'estime de pas mal de persos, et à très juste titre, très très juste titre, j'avais oublié ce passage-là, honte à moi. Enfin, j'avais oublié que c'était lui qui était un des plus gros instigateurs, je me rappelle que Thorgil, voilà, était une belle merde, mais j'avais oublié que le serpent, lui aussi, avait pris sa part de responsabilité sur les gamins. Vraiment, vivement le premier, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Ouais, c'est totalement ça, le cas. Et on est totalement pas prêt pour la suite. Vous allez kiffer. Quoi qu'il en soit, en tout cas, bah, j'espère que cette petite live action des fans vous aura plu. Moi, je prends beaucoup de plaisir à vous la faire. On se retrouve sans faute la semaine pro, même heure, même chaîne, pour la suite de Vinland Saga saison 2. D'ici là, restez connectés parce qu'on attend encore du très très lourd avec du Boruto et du DBS en chapitre. On attend voilà du très très lourd. Ça fait plus d'une semaine qu'on nous annonce un chapitre de Fou Furieux pour Boruto, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Et bien entendu, bah, également toutes les autres sorties de la semaine avec une semaine extrêmement chargée niveau sortie. Donc restez connectés pour ne pas louper tout ça. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites pas les fous. Salut à tous, Nati. Et ça va.